quelqu'un sur toi. Monsieur Chouet, toujours au rendez-vous. J'ai décidé de continuer avec Pink Floyd. Avec la toune qui a le plus long intro. Des années 70 probablement. La tourne dure 16 minutes et l'intro dure 8 minutes. C'est exceptionnel. C'est une des plus grandes musiques que j'ai jamais listées. Pink Floyd. Oh oui, Pink Floyd. On l'a scrappé, ce nom de groupe-là. C'est quand il y a la chimie entre les musiciens. Là. Il peut se passer de belles choses. Les farfeluches. Les brunettes sportives. Eh oui, vous vous phrasez de jour-là, trop bon ça. C'est de plus en plus beau les amis, il fait de plus en plus beau. Le thème pour ce soir, oui, il a été annoncé, c'est bande dessinée. En partenariat, j'ai toujours de la misère à dire ce mot-là, en partenariat avec le Festival BD de Montréal. On est rendu où? 27, encore 3 minutes. C'est les gens arrêter d'arroser leur plate-bande pour venir faire un quiz. Parce que là, c'est le fun d'être dans notre cours, hein. Les règnes de la nature. Jix. Joe. Les doubles amandes sont là. Bienvenue. Ça va être super le fun, mais c'est sûr. La moitié des gros poules. Bienvenue tout le monde. On commence à 15h30. Encore un peu de bonne musique. Pink Floyd. Oh yo, Flamenco. Ça là. Une intro qui durait. Qui allait durer une intro de 4-5 minutes. Un lead qui va durer une autre 4-5 minutes. Puis après, ça se trouve qu'il commence à chanter. C'est extraordinaire. Et après cette tune là. Ad vitam aeternam. Alors, il était 29. Tranquillement, on va se diriger vers le thème. ...164. On sera à 200. Il y a déjà été 1000 là-dessus. 1000 foyers. Eh bien, là, c'est normal quand il fait beau.
OK, fade out, musique d'intro, c'est parti. Eh bien, mesdames et messieurs, ici Normand D'Amour et bienvenue au quiz live famille dans mon sous-sol du 21 mai 2020. Pas celle-là. Ça, c'est pas tout de suite. C'est celle-là que je vais mettre. C'est pas ça non plus. Ah ben, OK, c'est notre nouvelle musique d'intro. Je vais vous la chanter. On est content que vous soyez là. Un ziganta, ben prenez d'un vote so fort. Écrivez pas sur le fil, mettez ça sur un papier. Écrivez pas sur le fil, non, 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 mettez ça sur un papier. Écrivez pas sur le fil, non, ça va bien aller. Oh, 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 oh. Une petite musique qu'un de mes amis m'a fait jeudi soir passé. Alors, je voulais vous la présenter à vous, familiaux, parce que je trouve que c'est une excellente toune pour notre quiz. Alors, il y a eu un gros buzz sur les quiz. Et évidemment, nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Alors, après, évidemment, 20 quiz famille, 15 heures de live, 900 minutes de bonheur, les quiz famille touchent à leur fin. Et oui, le beau temps reprend et avec lui des changements de programmation. Le dernier quiz de famille aura lieu mardi prochain à 15h30. Et oui, c'est comme ça. Nous avons hâte de partager ça avec vous. Alors soyez nombreux pour ce final. Sachez qu'absolument tous les quiz seront en rediffusion gratuite dans la section vidéo de notre page Facebook ainsi que sur notre page YouTube Randolph Jeux et Divertissement. Nous allons donc arrêter les quiz famille, mais, on ne vous lâche pas pour autant, revenez début juin avec des quiz scolaires. Parfait pour finir l'école et pour cela, on a besoin de vous, amis professeurs et enseignants. Envoyez-nous des questions que vous aimeriez voir figurer dans un quiz scolaire dans le formulaire qui passe en commentaire. C'est le moment de contacter vos voisins, vos amis, votre famille de profs pour pouvoir nous vous fournir le meilleur matériel possible. Alors voilà. C'était l'annonce officielle que les quiz famille vont se terminer mardi le 26 mai prochain. Autre grand changement aussi, on va arrêter les quiz du jeudi dès la semaine prochaine pour garder uniquement les quiz adultes du mardi soir. Cela nous permettra d'être tous ensemble une belle fois par semaine pour se défier et de laisser place à vos activités quotidiennes et le reste du temps. Cela nous donne aussi plus de temps pour vous concevoir d'autres belles surprises. Soyez qu'on ne baisse jamais les bras au Randolph. On est toujours là pour essayer de vous divertir et de vous amuser. Mais là, on s'est dit qu'on va s'en tenir à seulement un quiz et c'est très correct aussi. À partir de la semaine prochaine, il y a uniquement un quiz adulte le mardi. Rendez-vous ce soir, évidemment. 19h30 pour le dernier quiz adulte du jeudi avec le thème BD. Alors, il vous reste qu'une semaine jusqu'au 27 mai pour précommander votre T-shirt. Inquiétez-vous pas, ce qui est écrit en arrière, c'est les paroles de la chanson que je vous ai fait entendre tantôt parce que je l'ai appris par cœur, parce que je l'ai écrit, puis je vais vous la chanter à la fin de notre quiz. Alors, pour tout achat d'un T-shirt de 19,99$, nous reversons automatiquement 5$ à l'association Opération Enfant Soleil qui aide les enfants dans le besoin. Et Dieu sait si la solidarité est de mise en ce moment. Alors, s'il vous plaît, achetez notre beau T-shirt avec ma face dessus et c'est écrit « On n'écrit pas sur le fil, mettez ça sur un papier ». Alors, c'est un bon moyen de faire une bonne action tout en nous soutenant et en ayant un beau souvenir de toutes ces semaines de quiz. Passez ensemble tous les mardis et les jeudis. Pourquoi je suis ému? Ben, parce que je suis un gars comme ça. Alors, précommandez votre T-shirt sur notre boutique en ligne randolph.ca. Ça m'émeut d'avoir partagé tout ça avec vous et savoir que ça finit. C'est à chaque fois que je finis un show, la majorité des acteurs ont été émus parce qu'on se crée une belle gang, on se crée une famille. Et c'est vraiment ça que j'ai eu l'impression de faire avec vous.
Oui, ça s'estompe. Oui, il va en avoir moins. Mais on va toujours être là, par contre, les mardis, avec ma belle Pascale, pour vous faire un beau quiz adulte le soir. Il va y avoir un quiz scolaire qui va arriver. Ne vous inquiétez pas, on ne vous lâche pas complètement. On fait juste réduire, évidemment, notre façon de faire pour pouvoir vous amener d'autres choses. Alors, n'oubliez pas non plus nos combos ludiques, nos boîtes ludiques, nos quiz VIP. Alors, tout ça est toujours là. Alors, soyez bien conscients qu'on ne fait pas ça parce qu'on est tanné. On fait ça parce que la force des choses nous envoie ailleurs. Alors, il y a 234 personnes aujourd'hui. Fait qu'on va y aller solide. Alors, êtes-vous prêts? 4 rondes. Première ronde visuelle, deuxième ronde de jeu, troisième ronde scolaire, quatrième ronde auditive. C'est parti aujourd'hui pour l'avant-dernier quiz famille. Êtes-vous prêts? C'est parti. Attendez. Il y a des étoiles. Hey, on a des étoiles en haut, c'est donc bien cool ça. Vous pouvez m'envoyer des étoiles. C'est donc bien cool ça. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a des étoiles qui apparaissent la première fois. Alors, si vous connaissez le principe des étoiles, je ne sais pas trop comment ça marche, mais il paraît que c'est bon. Il paraît que quand tu as des étoiles, ben tu as des étoiles, puis ça fait en sorte que les gens t'aiment beaucoup. Fait que allez-y, allez-y, pitchez-moi des étoiles si vous pouvez m'en donner. C'est cool. On va essayer d'en accumuler le plus possible. Alors, c'est parti. Quiz famille, en 1. Quel est ce titre? Quel est le titre de ce film des années 90? Quel est le titre de ce film des années 90? En 2. Le drapeau de quel pays qu'on voit ici? Le drapeau de quel pays? En 3. De quelle sorte d'arbre s'agit-il? Quelle sorte d'arbre s'agit-il? En 4. À quel pays peut-on associer ce symbole dans le front qui s'appelle le bindi, qui signifie goutte? À quel pays peut-on associer ce symbole dans le front, soit le bindi, qui signifie goutte? Et en 5, quel est le nom de ce personnage? Quel est le nom de ce personnage? Et on y retourne. En 1, quel est le titre de ce film des années 90? Quel est le titre de ce film des années 90? En 2, du drapeau de quel pays s'agit-il? Du drapeau de quel pays s'agit-il? En 3, de quel arbre s'agit-il? En 4, à quel pays peut-on associer ce symbole dans le front? Soit le bindi, qui signifie goutte. Et en 5, quel est le nom de ce personnage? Quel est le nom de ce personnage? Alors, en 1, quel est le titre de ce film des années 90? En 2, le drapeau de quel pays? En 3, quelle sorte d'arbre? En 4, de quel pays est cette tradition de petites gouttes dans le front? Et en 5, quel est le nom de ce personnage? Et voilà pour la ronde visuelle. Mon Dieu, on est rendu à 500 étoiles. C'est quoi? C'est donc bien cool. Envoyez-nous des étoiles. C'est donc bien trippant, ça. Merci. I drink to that. Wow.
Merveilleux. Ah bon? Mais là, c'est quoi? Une scène par étoile? C'est vous qui nous donnez des étoiles, puis ça vaut de l'argent, des étoiles. Ah bon? C'est donc bien merveilleux. Les étoiles te donnent de l'argent. Ah bon? Il faut être payé, c'est quoi? Une scène par étoile? Donc, je suis rendu à 5$. C'est merveilleux. C'est donc bien fait. Merci, merci, merci. Namasté tout le monde. Wow. Alors, êtes-vous prêts pour, évidemment, les réponses? Alors, en 1, cette belle petite frimousse, c'était Mathilda pour un point. Mathilda pour un point. En 2, le drapeau, c'était la Chine. En 3, eh bien, c'était un saule pleureur. Wow, merci tout le monde. Tabarouette. Saule pleureur. En 4, c'était l'Inde. L'Inde, le pays auquel on peut associer ce symbole dans le front. C'était l'Inde. Et le nom du personnage en 5, c'était Harley Quinn. Harley Quinn. Alors, Mathilda, un point. Shin, un point. Soul Pleureur, un point. Inde, un point. Et Harley Quinn, un point. Ben, tant mieux. Colin de Bim. Et beau point, la gang. 5 à 5, 5 sur 5, 5 sur 5, ça va bien. Ça va très bien. Alors, la ronde de jeu, les questions de connaissance générale sur divers sujets dont les mécaniques sont basées sur des jeux. La pondération est toujours de 1 point par bonne réponse. On y va avec le Scrabble, alors à vos papiers et à vos crayons. Je ne l'ai pas dit beaucoup de fois. Je pense que le monde commence à être habitué. Alors, une dernière petite fois, peut-être, si jamais vous êtes nouveau à nos quiz, sachez que vous devez inscrire vos réponses sur un papier chez vous, ainsi de vous trouver un nom d'équipe et de calculer vos scores après que j'ai donné les réponses. Et là, vous pourrez écrire vos scores sur le fil, mais jamais les réponses directement sur le fil. Alors, Scrabble 1, les lettres sont C, X, O, H, I. 5 lettres pour un point. C, X, O, H, I. C, X, O, H, I. Scrabble. Question numéro 2. Card line. Placez les 4 aliments suivants en ordre croissant selon leur constituant en eau, E-A-U. Combien il y a d'eau dans ce que je vais vous donner, dans chaque affaire? Donc, en ordre croissant, celui qui en a moins et celui qui en a le plus. Poisson, melon d'eau, tranche de pain, cube de sucre. Alors, placez les 4 aliments suivants en ordre croissant selon leur constitution en eau, E-A-U. Donc, ils sont constitués de combien de pourcentage d'eau en ordre croissant de celui qui en a le moins à celui qui en a le plus. Alors, on a poisson, on a melon d'eau, on a tranche de pain et on a cube de sucre. C'est card line. Question numéro 3, couleur. La réponse est nécessairement une ou des couleurs, mais là, ce serait une couleur. Quelle couleur se trouve au centre de l'arc-en-ciel? Quelle couleur se trouve? Quelle couleur se trouve au centre de l'arc-en-ciel? Il y a beaucoup d'arc-en-ciel dans les rues ces temps-ci. Fait qu'aller voir dehors, d'un coup, les gens ont bien fait l'arc-en-ciel. Parce que n'est pas donné à tout le monde de savoir où vont toutes les couleurs.
Mais voilà, quelle couleur se trouve au centre de l'arc-en-ciel? Et question 4, comptine. Une question qui est plus facile si vous chantez la comptine dans votre salon. Allons tout le monde, on y va. Écoutez bien. Pourquoi le roi, la reine et son petit prince sont venus chez moi? Pourquoi le roi, la reine et son petit prince sont venus chez moi? Chantez la toune et vous allez trouver la réponse. On y retourne en 1 pour le Scrabble. Les lettres sont C, X, O, H, I. C, X, O, H et I. Trouvez un mot de 5 lettres. Question Cardline. Placez les 4 aliments suivants en ordre croissant selon leur constitution en eau, E-A-U. Donc, de celui qui contient le moins d'eau à celui qui en contient le plus. Je vous donne poisson, je vous donne melon d'eau, je vous donne tranche de pain et je vous donne cube de sucre. Mettez-moi ça en ordre croissant selon leur constitution en eau. La couleur. Quelle couleur se trouve au centre de l'arc-en-ciel? C'est la question numéro 3, couleur. Et question numéro 4, comptine. Pourquoi le roi, la reine et son petit prince sont venus chez moi? Voilà. Comment ça va? Vas-tu bien? Je pense que oui, hein? Pas si tough aujourd'hui. Alors, Scrabble, réponse numéro 1. Eh bien, c'était choix. Ah bien, l'été est vraiment arrivé. J'ai une mouche qui me gosse solide. Où es-tu? Je la trouverai. Alors, Scrabble, c'était choix. C-H-O-I-X, choix. Un point. Cardline. Eh bien, Cardline, on avait cube de sucre, 0%. Tranche de pain, 30%. Un poisson, 60%. Et un melon d'eau, 95%. 95%. Pas si mal. Donc, Cardline, la réponse, c'était 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Cube de sucre, 0. Tranche de pain, 30. Poisson, 60%. Et melon d'eau, 95%. Pour un point. Question numéro 3. Quelle couleur se trouve au centre de l'arc-en-ciel? Eh bien, c'est le vert. C'est le vert. La couleur verte. Pour un point. Et la comptine. Pourquoi le roi, la reine et le petit prince sont venus chez moi? Eh bien, c'est pour me serrer la pince. Me serrer la pince, pour me serrer la pince, me donner la main. Me serrer la pince. Alors, avec ces 4 dernières questions, sur 9, vous avez combien? 9 sur 9 pour les sélénites. Les sélénites, venez-vous de la lune? 9 sur 9 pour les dragons orchidées. 8 sur 10, c'est supposé être sur 9, mais c'est pas grave. Donc, c'est 8 sur 9, c'est encore mieux. 9 sur 9 pour les minous en direct. Les gays. La bande à COVID, 7 sur 9. 9 sur 9, les gonflés à bloc, 8 sur 9, tout va bien. Tout va bien. Yes. Le jeu a gagné cette semaine, mais avant, le jeu qui c'était spécifique. Alors, quel pronom personnel est associé à la deuxième personne du pluriel était la question de jeudi, mardi passé, pardon. Alors, la réponse était vous, V-O-U-S, vous. Quel pronom personnel est associé à la deuxième personne du pluriel? Eh bien, c'était vous. Et l'équipe qui gagne le gueu. Ouf! L'équipe qui gagne le jeu spécifique est les Faces de Grâce. Les Faces de Grâce, êtes-vous avec nous aujourd'hui? Les Faces de Grâce, félicitations, vous vous remportez ce magnifique jeu spécifique, les Faces de Grâce. Et le jeu à gagner aujourd'hui sera
Monster Rush. D'adorables monstres sont apparus dans tout le royaume. Les victimes se multiplient parmi les villageois, hypnotisés par le charme extraordinaire de ces créatures. Le roi fait appel à des chasseurs de primes. Vous, pour mettre fin à cette nouvelle menace des plus étranges. Monster Rush est un jeu de rapidité où les joueurs révèlent les cartes, armes et sorts dans le but de capturer les plus gros monstres pour emporter la partie. Qui sera le plus rapide? Alors, je vous pose la question après la ronde scolaire. My God, 1905 étoiles! Non, je ne lâcherai pas! Merci, gang! Hey, vous êtes fins! Vraiment, là, je vous invite tout à mon chalet à un moment donné. Quand tout ça va être fini, on fait un party, 1000 personnes au chalet, on déménage ça, on défait la grange, on en fait un autre, faisons une fin de semaine, amenez vos tantes, on va faire un gros party. Alors, ronde scolaire, eh bien, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'école qu'on n'est pas là pour apprendre. Inspiré du jeu classe de 5e, on y va. Et sachez qu'aujourd'hui, je vous donne première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année et sixième année, il n'y aura pas de ronde secondaire. Voilà. Alors, on y va. La ronde scolaire, première année, science et technologie à vos papiers et à vos crayons, gang. Si tu as les yeux bleus comme moi, quelle partie de ton œil est bleue? Est-ce la pupille? L'iris? La rétine? Ou le foyer? Science et technologie, première année. Si tu as les yeux bleus, quelle partie de ton œil est bleue? La pupille? L'iris? La rétine? Ou le foyer? Deuxième année, français. Parmi les mots suivants, lequel contient le plus de syllabes? A. Cheveux. B. Couleur. C. Mouchoir. Et D. Colombe. Français, deuxième année, parmi les mots suivants, lequel contient le plus de syllabes? A. Cheveux. B. Couleur. C. Mouchoir. D. Colombe. Pardon. Troisième année, mathématiques. Comment s'appelle un angle plus petit que 90 degrés? Ouais. Ça, c'est 90, mais plus petit. Alors, c'est un angle en A, aigu, en B, obtus, C, plat, ou D, droit. Troisième année mathématiques, comment s'appelle un angle plus petit que 90 degrés? A, aigu, B, obtus, C, plat, ou D, droit. Question de quatrième année. Français. Qui suis-je? Je suis la femelle du singe. Je suis la femelle du singe. Cinquième année. Mathématiques. Vrai ou faux? Une fraction représente toujours un rapport entre deux nombres entiers. Vrai ou faux? Cinquième année. Mathématiques. Une fraction représente toujours un rapport entre deux nombres entiers, vrai ou faux? Sixième année, science et technologie. Complétez la phrase. Un animal bipède est un animal qui possède deux antennes, qui possède deux yeux, qui se déplace sur ses deux membres arrière ou qui se déplace sur quatre pattes. Un bipède. Sixième année, sciences et technologies. Complète la phrase. Un animal bipède est un animal qui possède en A deux antennes, en B qui possède deux yeux, qui se déplace sur ses deux membres arrière ou qui se déplace sur ses quatre pattes. Je répète les questions en rafale. Première année, sciences et technologies. Si tu as les yeux bleus, quelle partie de ton œil est bleue? La pupille, l'iris, la rétine ou le foyer? Deuxième année, français. Parmi les mots suivants, lequel contient le plus de syllabes? Cheveux, couleur, mouchoir ou colombe? Troisième année, mathématiques. Comment s'appelle un angle plus petit que 90 degrés? A, aigu. B, obtus. C, plat.
des droits. Quatrième année français, qui suis-je? Je suis la femelle du singe. Cinquième année, mathématiques, vrai ou faux? Une fraction représente toujours un rapport entre deux nombres entiers. Une fraction représente toujours un rapport entre deux nombres entiers, vrai ou faux? Et en sixième année, sciences et technologies, un animal bipède est un animal qui possède en A deux antennes, en B deux yeux, en C qui se déplace sur deux membres arrière et D qui se déplace sur ses quatre pattes. Voilà pour la ronde scolaire. Pas mal de questions quand même. Pas si tough. Pendant que vous réfléchissez à tout ça, je vais vous donner la question bonus pour gagner Monster Rush. Monster Rush. La question bonus est la suivante. Quel nom porte l'ouverture par laquelle coule la lave d'un volcan? Ainsi, pour la même chose, que la dépression creusée par l'impact d'un météorite. Alors, quel nom porte l'ouverture par laquelle coule la lave d'un volcan, ainsi que la dépression creusée par l'impact d'un météorite? C'est le même mot. On vous donne deux définitions pour le même mot. Quel nom porte l'ouverture par laquelle coule la lave d'un volcan, ainsi que la dépression creusée par l'impact d'un météorite? C'est la question bonus et vous allez voir évidemment le lien passé en commentaire pour le formulaire que vous avez à remplir avant 17h30 ce soir pour avoir une chance de gagner Monster Rush. Et ça va passer maintenant. Voilà. Les réponses. Good. Alors, sciences et technologies, première année, si tu as les yeux bleus, quelle partie de ton œil est bleue? Eh bien, pour un point, c'était l'iris. L'iris, pour un point. France Longval, on n'écrit pas les réponses sur le fil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dorénavant, si vous voulez jouer à notre quiz, vous avez qu'à vous procurer un papier et un crayon pour écrire vos réponses à la maison, chez vous, et non sur le lien. Merci. Alors, première année, l'iris. Deuxième année, français, eh bien, le mot qui avait le plus de syllabes, c'était colombe. Cheveux, mouchoir, couleur, colombe. Voilà, c'était colombe. Troisième année, mathématiques. Comment s'appelle un angle plus petit que 90 degrés? Eh bien, c'est un angle aigu. Aigu, parce qu'il est pointu. Fait que c'est un angle aigu. Quatrième année, français. Qui suis-je? Je suis la femelle du singe. Eh bien, c'était la guenon. La guenon, et non la singette. C'est peut-être autre chose. On ne voit pas le lien du formulaire, il va passer très bientôt. Le lien, s'il vous plaît, ma famille du Randolph. Les gars, ça va 20 sur 20, mais c'est pas possible. On n'a même pas fait la ronde auditive encore. Le nombre d'étoiles totales envoyées, moi, ce que je vois à date, j'en ai 2455. Voilà. Merci. Alors, la guenon, oui. Mathématiques, une fraction représente toujours un rapport entre deux nombres entiers. C'était faux. Prenons les fractions avec le chiffre pi, par exemple. Alors, faux. Et en 6, sciences et technologies, le bipède se déplace sur les deux membres arrière. Alors, vous avez combien? Sur 15, alors on avait iris 1 point, colombe 1 point, aigu 1 point, la guenon 1 point, faux 1 point, et ceux qui se déplacent sur les deux membres arrière 1 point. Vous êtes combien sur 15, mes beaux amis? On fait comment pour envoyer les étoiles? J'en ai aucune idée, mes amis, aucune idée. Je ne sais pas comment ça marche.
Voilà. On est prêt pour la ronde auditive, notre ronde préférée. Mm-hmm. Ça y est, les points rentrent. 13 sur 15, 14 sur 15, 15 sur 15, 12 sur 15. Ça va bien. Et sur 15, ça va bien. Va-tu avoir des parties parfaites? C'est possible. Maman fille, yes, 14 sur 15, c'est bon. Vous avez un petit symbole à côté du symbole emoji normalement. A. Et B. Non, ben beau. OK, ronde auditive, les amis, êtes-vous prêts? Moi, je le suis. Mets ça au bout, c'est parti. Première question. Alors, il y aura 5 questions. 1 point par question. Ajustez bien vos haut-parleurs. On va écouter des trames sonores, mais ne vous inquiétez pas. Si vous ne les entendez pas, je les remets une deuxième fois, puis peut-être 3 si ça va bien. Alors, question numéro 1, c'est une comptine. Quel est le titre de cette comptine? Voilà. Alors, j'ai vu des choses passer. Oh oui, attendez une minute. J'avais quelque chose aujourd'hui. Non, 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 c'est pas beau ça. Pas beau ça, je veux pas ça. Attendez. OK. 2 secondes, je vous quitte. Quelques secondes, j'avais une fête à faire cet après-midi. Comme je suis pas habitué des fêtes après-midi. OK, je vais la faire à la fin. OK. Alors, ronde auditive, je vous la remets. Alors, c'est une comptine. Quel est le titre de cette comptine? Restons concentrés. Alors, je voudrais saluer Alexandre, qui est la fille de Marie-Ève Falcon. Je te salue, Alexandre. Je ne sais pas si c'est ta fête aujourd'hui, mais bon, je te salue. Question numéro 2. Cette chanson était la chanson thème de quelle émission en 2003? Émission, de quelle émission cette chanson provient-elle? De 2003. Je vais revenir pour la question bonus, ne vous inquiétez pas. Numéro 3. Quel est le nom de cette chanson? Attention, on va écouter la version poulet en plastique. OK. Un plaisir, Marielle. Je remets ça. C'est ridicule. Alors, quel est le nom de cette chanson? Et attention, on va écouter la version de poulet en plastique.
Question numéro 4. Dans quel jeu vidéo entend-on cette musique? Un jeu vidéo, ça? Ah bon? Remets ça. De quel jeu vidéo provient cette musique? Dans quel jeu vidéo entend-on cette comptine? Et en 5, nommez un des deux artistes ou groupes qui chantent cette chanson. Alors, je vous remets ça. Nommez un des deux artistes ou groupes qui chantent cette chanson. Bon, alors c'était la ronde auditive. Je voudrais souhaiter bonne fête. Alors, bonne fête, Maxime Arnaud Chalifour. Bonne fête, Maxime Arnaud Chalifour, Maxime peut-être Morin. Bonne fête, Maxime Morin et Arnaud Chalifour. Bonne fête à vous deux. Voilà, avec Pascal, c'est moins bon, mais sans Pascal, je veux dire, c'est moins bon, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Je fais mon possible. On y va pour les réponses, quand même. Alors, en 1, quel est le titre de cette comptine? Eh bien, c'était « À la claire fontaine », « À la claire fontaine ». Question numéro 2, la chanson de thème de quelle émission de 2003? Eh bien, c'était « Star Academy », « Star Academy ». Réponse 3, quel est le nom de cette chanson en poulet en plastique? C'était Bad Guy. Bad Guy. Bad Guy. Et la 4, dans quel jeu vidéo entend-on cette comptine? Eh bien, c'était Adibou. Adibou. Tu crois? Adibou. Ça fait longtemps, ça. Et réponse numéro 5, nommez un des deux artistes ou groupes qui chantent. Eh bien, on avait Marimé ou Simple Plan, Marimé, ou Simple Plan. Alors, un point pour À la claire fontaine, un point pour Star Academy, un point pour Bad Guy, un point pour Adibou, et un point pour Marimé ou Simple Plan. Combien vous avez sur 20? Il y en a qui me demandaient de répéter la question bonus. Et alors, c'est quel nom porte l'ouverture par laquelle coule la lave d'un volcan, ainsi que la dépression creusée par l'impact d'un météorite? C'est le même mot. Voilà. Ah oui, Arnaud. Ah oui, il faut voir, il y a une belle rivière à côté. On peut se baigner. C'est génial. Alors, c'est déjà la fin. C'est l'avant-dernier quiz familial. Alors, je vais vous chanter... évidemment, notre nouvelle chanson de quiz, je vais essayer de l'avoir parce que c'est la première fois que je la fais. Ouh! On est content que vous soyez là,
Assis à table ou effoiré sur votre sofa. Les chips, la bière, le jus, le vin ou bedon, l'avocat. Il y a juste une chose qui serait cool que vous fassiez pas. Écrivez pas sur le fil, yeah. Mettez ça sur un papier, tous ensemble. Écrivez pas sur le fil, non, 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 non. Mettez ça sur un papier. Écrivez pas sur le fil, non, pis ça va bien aller. Merci gang. On se revoit mardi prochain, les jeunes, pour notre dernier quiz famille ensemble. Sinon, ce soir, il y a un dernier quiz du jeudi. Mais sachez que nous serons toujours là les mardis et qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. C'est sûr, sûr, sûr. Le Randolph, on ne vous lâche pas. On est une grosse gang qui travaille pour vous. On a hâte encore de vous divertir et de vous amuser parce que c'est notre contrat et notre combat dans la vie de faire en sorte que tout le monde s'amuse Saint-Simonac. On peut-tu juste avoir du fun? Merci, je vous aime, à bientôt. Ciao.